Bienvenue, on est sur Twitch ici, bienvenue à YouTube aussi, parce que les vidéos en général, je les remets sur YouTube ensuite. Et j'ai commencé en fait il n'y a pas longtemps à faire des streams. Principalement au début, c'était dans l'idée de promouvoir nos jeux, de parler aussi de notre situation et de laisser un peu sortir certaines choses. Et en fait, il y a eu quelques intéressantes discussions. Intéressantes, non. Je dirais pas jusqu'à intéressantes pour moi, mais il y a eu quelques discussions. Et du coup, j'aimerais discuter un peu de ça. Tranquille, je vais juste laisser un peu les gens venir s'il y a du monde qui vient. Je vais me mettre mon portable ici pour pouvoir voir le stream sans le son. Au cas où, s'il y a quelque chose qui se passe, parce que des fois je vois rien du tout de ce qui est en train de se passer. Là, je vois qu'il y a un spectateur qui est arrivé. Donc en général, on est très très peu ici, juste parce qu'on vient de commencer et que je suis pas forcément à la hype. Je suis pas en train de jouer à Stellar Blade là, en ce moment. Donc je fais les choses, disons, à mon rythme. L'idée en fait, c'est vraiment de garder une archive. Et j'ai toujours une petite introduction comme ça. Ensuite, je joue à un autre jeu. Soit en français, soit en anglais. Et voilà. Alors, attendez 2 secondes. Je dois encore mettre. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je. Là, j'ai le câble. C'est bon. Il faudrait que je charge. Est-ce que ça va fonctionner? Ça a l'air d'aller. En gros, il commence à faire chaud ici. Au Japon, donc il commence à faire chaud. On était à 27 degrés aujourd'hui. On était à 27 degrés. Il commence à faire chaud. Et le truc, c'est qu'ici, là, dans mon setup, vu que j'ai pas un monstre bureau, bah, il est quand même assez grand, quoi. J'ai un bureau normal et une deuxième table ici. Vous pouvez voir d'ailleurs, je me suis fait une petite folie là. J'ai acheté tous les. Pas tous. Tous les. Art of Ghibli, des films que je préfère des films Ghibli, parce qu'en fait il y a un musée, enfin donc il y a des musées Ghibli, en japonais on dit Ghibli. Ici à Kyoto maintenant c'est plutôt une exposition en fait, c'est pas un musée, c'est une exposition qui je crois même pas que c'est forcément une exposition à comment on dit, qui a tout le temps, c'est vraiment ça dure genre quelques mois. Et du coup, ils vendaient ça à pas trop cher maintenant. En plus, le yen, il est encore en train de tomber. Donc, on est à 173 yens pour 1 franc. Quand j'étais venu au Japon, il y a de ça 15 ans, non plus, 2007, le yen, c'était 100 yens pour 1 franc. Depuis que je vis ici, c'est plutôt 125, 135 yens pour 1 franc. Mais là, on est à 100, c'est bientôt 175. C'est-à-dire qu'en gros, ben, vous êtes encore plus riche. Si vous venez au Japon. Donc profitez. Par contre, c'est plus il y aura de monde qui profiterait de venir au Japon en même temps, moins vous sentirez le Japon, parce qu'en fait, il y a tellement de touristes. C'est assez infernal. Enfin, infernal. Moi, je vais plus dans les endroits où j'allais, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Et du coup, bah, tous les touristes, ils fonctionnent à la touriste. C'est pas grave, mais du coup, pas à la japonaise. Du coup, on ne se sent pas forcément autant à l'aise que d'habitude. Mais tout ça pour revenir, du coup, j'ai acheté des bouquins là. House Movie Castle, Totoro, comment, Ponyo, quoi, Kiki, la puta c'est donc Château dans le ciel, Princesse Mononoke, et j'ai zappé en fait, et Nausicaa aussi, et j'ai zappé, enfin je l'ai pas trouvé, ben, Voyage de Chihiro, du coup faut que je le commande, parce que maintenant du coup j'ai cela, il faut que je l'ai absolument. Enfin bon, et du coup, ce bureau-là, parce que oui, je saute du coq à l'âne, comme il fait chaud et qu'il y a mon PC là et juste à côté il y a mes PS5, ça chauffe grave quoi. Et l'année passée, j'avais fait un petit. En fait, le PC il est ouvert. Il y a un deuxième, je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, j'espère que c'est pas trop. D'ailleurs, il faut que je vérifie un peu le son, mais ça a l'air d'être allé. Ça a l'air d'aller. J'ai dû mettre en fait des ventilateurs externes qui ont rien à voir, juste des ventilateurs que j'ai acheté quoi. Et que je laisse plugger quand ça chauffe un peu trop, parce que j'ai dû réparer mon ordi 2 fois en fait.
faire réparer mon ordi deux fois parce que la carte graphique elle grillait quand je jouais à des jeux vidéo sur le PC. À cause que ça chauffait trop et probablement c'était l'été où il faisait chaud. Donc là, il faut que je commence à faire attention avec ces 26 degrés. C'est pas. Ouais. C'est pas facile là. Petit peu de musique aussi là derrière. Est-ce qu'on arrive à mettre quelque chose? Voilà. Je mets un peu moins fort. Voilà. Donc je voulais parler de quoi? Je crois qu'un des premiers premier trucs un peu c'est par rapport à ces streams que je fais. En gros, j'ai commencé à faire ça en ayant dans l'idée que bah, en tant que développeur, j'allais parler de mon propre jeu, de mes propres jeux. J'allais partager et tout. Et en fait, il se trouve que on est dans une situation très délicate avec Captain Velvet Meteor. Parce que Captain Velvet Meteor, c'est pour notre publisher. Il le voit moins comme un jeu vidéo que comme un produit qui contient des licences. Et c'est compréhensible. Hein. Sauf que j'avais pas capté à quel point c'était différent. Et un produit comme ça qui a autant de licences, surtout des licences qu'on n'a pas payées, c'est-à-dire que c'est des licences qu'on nous a prêtées, et ben on se retrouve sous le système en fait des licences japonaises déjà. Donc c'est non seulement c'est des licences, mais en plus il y a ce côté un peu carré à la japonaise, où en fait la moindre action que tu fais doit être demandée. Par exemple, je sais pas, je pense à tweeter ça demain. Est-ce que c'est ok pour vous, quoi? Mais ça va jusque vraiment à ça. Mais comme c'est un jeu indé ce qu'on a fait, il y a une compréhension quand même du côté du publisher qui est que ben, on risque de faire des actions de temps en temps qui peuvent être un peu genre par exemple tweeter à l'avance. Mais on se fait taper sur les doigts, vraiment, c'est un peu extrême. Et du coup, apparemment, avec mes streams de Captain, c'est un truc où apparemment tout le monde, enfin, sans que je m'en rende compte, mais c'est pas qu'on m'espionne, mais on m'a à l'œil en fait. Et quand j'ai appris ça, j'étais oh purée. En fait, et ça encore, c'est compréhensible, mais pas par moi jusqu'à maintenant. En gros, si. Comment dire? Si je dis un truc mal, de mal, même n'importe quoi sur un des mangas qu'il y a dedans, par exemple. Je sais pas, je suis en train de. Je dis que je préfère un des mangas à l'autre, par exemple. Ça, c'est. Donc j'ai 8 mangas dans notre jeu. Et je dis, ouais, mon préféré c'est celui-là, mais bah, celui-là je l'aime moins. Déjà ça, en fait, suffit qu'un mangaka dise, eh, vous avez notre licence et vous avez du mal de la licence. Et ben ils peuvent en faire de genre. Si le mangaka il est assez énervé, ils peuvent genre retirer les jeux du shop, quoi. Genre. Genre extrême, quoi. Donc je vais continuer. On a eu une discussion, ça. Je vais continuer les let's play de Captain anglais, mais sauf que je vais juste jouer comme un joueur. Je vais pas faire beaucoup de critiques. Alors sur la comment on l'a créé, oui, mais je me retrouve dans une situation très 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 bizarre. Et l'autre truc, c'est que bah du coup moi, enfin la promotion du jeu, on voulait continuer à faire un peu de promotion. On voulait faire un dernier update du jeu à fin juin, et après discussion, etc. En fait, il se trouve que même ça, c'est mort, quoi. Par contre, on a réussi à faire un compromis, et encore une fois, on va réussir à faire une petite update pour Steam. C'est tout. Donc, Switch, Xbox, Windows, PC, encore une fois, ça va pas être possible. Et la petite update de Steam, ce sera deux trucs assez gros pour moi, en tout cas. Un, c'est le fait de pouvoir skipper, de pouvoir passer le tutoriel. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes un joueur assez habitué à ce genre de jeu, et ben tu peux passer le tutoriel et y revenir après si jamais vraiment comprenez pas un truc, quoi. Enfin, tu comprends pas, donc, je dis tu, vous, je sais pas à qui je parle, mais à vous, spectateurs du futur. Et du présent aussi. Apparemment, il y a quelques personnes ici. Bienvenue d'ailleurs.
Bienvenue à vous. N'hésitez pas à écrire, poser des questions, dire coucou, faire des photos de croissants du matin. Ah non, c'est 1h30 chez vous, c'est plus le matin. Faire des croissants de Nantes, des photos de votre café de l'après-midi. Donc ici, là, c'est 8h30, 8h49 du coup. Mais ouais, du coup, ce truc de stream et de pouvoir promouvoir le jeu et de pouvoir faire la dernière update, en fait, c'est assez chaud parce qu'en fait, on a plus, y a plus d'espoir. Enfin, il n'y a plus d'espoir. Ouais. À part s'il y a un miracle, genre un influenceur qui d'un coup kiffe à fond le jeu et dit oh, c'est quoi ce jeu qui est sorti il y a 3 mois? Vas-y, je vais faire un let's play de ça et il l'encense et il a vraiment beaucoup de followers. Peut-être ça remontera, mais à part ce genre de choses-là. C'est un peu fini de temps. Et du coup, de notre côté, on peut pas faire plus, dans le sens où vu qu'on n'est pas libre non plus de faire la promotion de quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas libre de prendre des initiatives ou même d'avoir des idées d'initiatives, ça va assez loin en fait. C'est genre, tu peux rien commencer sans demander l'accord. Et en général, c'est toujours des noms, parce qu'en fait, il faut connaître tout le système par cœur pour pouvoir s'en servir, puis trouver une faille, mais... Si on demande des trucs, juste des idées qu'on a en tant qu'indé, c'est bon. Donc voilà, mais ici, de toute façon, je fais les let's play de Persephone pour l'instant. Je le ferai en français, les let's play de Captain aussi. Mais de nouveau, en discutant de manière très... je pense que je parlerai juste pas des mangas, sauf pour dire, voilà, allez voir. Ça, c'est le nom du manga, et voilà. Comme ça, je prends pas de risque. Quoi d'autre? Ouais, après pour les invités, je continue, j'aimerais on va discuter avec justement je veux inviter David Javet, et là ça sera probablement avant que je fasse le let's play Captain en français. Je vais l'inviter pour discuter de tout ça et je pense que je sais pas, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe, ça c'est compliqué. Mais nous, on va de l'avant, hein. On a un deuxième prototype. Donc, le premier prototype, c'était Spirit. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait, où je joue aux deux prototypes de Spirit. Là, on a un autre prototype d'un autre jeu qui est basé sur le système de Captain Velvet Meteor, en grande partie, mais qui a. Enfin, ça change beaucoup. C'est juste que c'est un jeu tactical et on garde le principe d'avoir une barre de vie partagée en fait par les personnages. Et là, on va pas le montrer encore parce qu'en fait, on aimerait pouvoir signer avec des publishers et qu'on sait pas ce que les publishers voudraient en faire. Si par exemple ils disent, ah ouais, ça c'est un bon jeu pour garder secret et puis le sortir tout d'un coup ou whatever, pas qu'on se tire des balles dans le pied déjà avant, donc pour l'instant on le garde secret. Mais on va de l'avant, on a un deuxième prototype. Spirit Neon. Ouais, pour l'instant, il n'a pas vraiment attiré encore. Pas à l'époque où on l'a envoyé, donc on le garde pour plus tard. Mais ce deuxième prototype, là, pour l'instant, on est en train d'envoyer les choses, de faire. On est en train de refaire. Enfin, je suis en train de refaire le pitch deck. Là, j'ai contacté quelques personnes. Et on verra, quoi. Mais la boîte ne mourra pas. Quoi qu'il en soit, parce qu'en fait on a juste pas à se payer et puis on aura assez pour payer des taxes jusqu'à ce qu'on signe. Mais c'est assez spécial en fait. C'est un peu comme si on était tous des freelances de manière générale, donc sans la sécurité tout ça, et qu'on dépend en fait des mandats, mais sauf que c'est des mandats sur 2 ou 3 ans. Voilà quoi. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Se lancer Persephone. Alors, je suis désolé quand je fais ça là comme ça, c'est juste que j'ai un autre écran là où j'ai mon setup et l'écran ici, et en fait il y a juste le bac caché là, c'est chiant. On va virer ça, on va virer ça ici aussi. Je vais mettre la Persephone. Je sais pas si vous avez vu, il y a des petits avatars là qui se baladent en bas. Vous pouvez choisir le vôtre en fait sur le live. Il y a un bouton normalement qui apparaît du coup, chez vous à droite de l'écran, près du chat là. Et vous pouvez choisir en fait vos petits avatars. Comme ça montre un peu la population
qui joue. Vous entendez à fond l'ordinateur qui souffle là ou bien? Il semblerait pas. Il semblerait pas. Il ne semblerait pas. Je vais taper ça. Tac, on est bien. Tout va bien. Je vais mettre en mode game only. Donc voilà, Tales of Demeter, on va juste essayer de voir si on a le son. Je suis pas certain qu'on a le son. Sound game, ça me semble ok. Ouais. Ça semble pas mal, non? Ok. Donc voilà. Persephone, le deuxième, en fait, c'est la deuxième, on appelle ça storyline. Je sais pas comment on le dirait en français. Deuxième histoire. Où en fait, on commence avec. Avec Déméter. Est-ce que ça prend en charge? Oui. Voilà, la petite histoire. Donne des stats à l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout en bas. Mais non, c'est n'importe quoi, arrête. Voilà. Donc en gros, Perséphone part. Je sais pas si vous vous rappelez l'introduction de Perséphone. En gros, c'est Perséphone qui marche sur un pont. Le pont s'ouvre devant elle et se ferme derrière elle. Elle arrive devant une sorte de porte qui s'ouvre. Elle rentre dedans. Non. Il y a Hadès qui sort de cette porte. Il s'embrasse ou il se fait un câlin. Et ça fait plaisir de te revoir. Et là, il se fait attraper par une sorte de racine avec plein de ronces. Et il disparaît. Et derrière, il y a une sorte de grosse racine qu'on a d'ailleurs brûlé la dernière fois en finissant la storyline de Perséphone. Et elle, en fait, Perséphone décide de rentrer par ce portail. Et du coup, elle se fait tous les étages. Enfin, elle se fait 5 étages pour aller jusqu'aux enfers. Et se retrouve en face de Hadès. Et il y a deux fins, si tu fais la fin normale, elle se retrouve en face de Hadès qui est dans sa cage et elle n'arrive pas à le sortir. Et si tu fais les levels secrets, en fait tu débloques un passage pour pouvoir brûler l'arbre, enfin l'énorme ronce là. Et du coup, ben, ça brûle aussi sa cage et quand tu le retrouves, il est libre et vous vous barrez à quelque part. Qu'on verra dans la storyline numéro 3, qui est un seul chapitre, enfin, un seul épisode de quelques missions qui changent complètement le gameplay et qu'on verra à la fin de ces sessions-là. Donc pour l'instant, c'est Déméter. Et donc là, Déméter, ça se passe du coup, là on l'a vu Perséphone partir en bateau. Du coup, ça se passe au même moment, c'est-à-dire qu'en gros, quand Perséphone part et qu'il y a tout ça qui se passe, plus ou moins au même moment, elle fait son chemin par un autre endroit dans les enfers. Donc je réfléchisse un peu parce que c'est vrai que Déméter, je l'ai pas beaucoup joué. Pas autant que Perséphone. Ok, là j'ai déjà. Alors pour ceux qui connaissent pas, qui sont nouveaux sur le channel, en gros Perséphone c'est un jeu où mourir fait partie du gameplay et n'est pas un game over en fait, c'est même l'inverse, on a besoin de mourir pour pouvoir continuer le jeu. On le verra plus tard d'ailleurs avec elle parce qu'elle est la même chose, elle est aussi immortelle et je viens de faire une bêtise. Je suis bloqué. Je sais plus trop comment je vais faire. Cela en bas là je dois y aller, ça c'est clair. Parce que je dois aller choper ces trucs là. Ah, je pourrais faire ça. Est-ce que je pourrais faire ça? 1, 2.
1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai une idée, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Où je vais amener? Est-ce que je peux en pousser deux? Je me dis, je me... Non, c'est pas une bonne idée. C'est nul. Ok. Et il me dit déjà, là, il y a le petit... Donc pour les noobs, il y a un petit point d'interrogation là, à droite de l'écran. Et ce point d'interrogation, il est là pour... Pour si on est trop coincé et qu'on est mort trop de fois, enfin mort, on a reset le jeu trop de fois pour donner une semblante solution. En fait, on ne donne pas la solution complète, c'est genre c'est une vidéo de la solution qui va très rapidement et on doit vite se rappeler du truc et essayer de refaire le mouvement. Ça nous donne des indices, mais je vais quand même pas, quand même. J'ai créé le jeu, on va pas. Hein. Voilà! C'était facile. Après 5 fois. Oui, parce qu'en fait là c'est on est dans le du coup on est dans la deuxième storyline, c'est-à-dire qu'on a déjà fait 5 chapitres entiers. Donc là on devrait être habitué au gameplay, donc il n'y a pas de comment on dit, pas de pitié vraiment. Sauf que je sais plus du tout. Par où passer. Ah bah voilà. Ha. Facile. Donc voilà, là il y a vraiment des environnements assez différents de la storyline de Perséphone, genre la jungle, les trucs gluants et tout ça. Mais on a des retours un peu aux sources avec ce premier level où tu dois remplir les trous avec tes corps pour pouvoir continuer. Mais sauf qu'il n'y a pas de checkpoint là, donc ça marche pas. Je me noie. Attends, faut quand même que je réfléchisse. En fait, je crois qu'il faut que j'aille là. Bah non, si je fais ça, je vais. Yeah. Laisse-moi réfléchir. En gros, l'idée, c'est de réussir à aller soit sur la ligne, enfin sur une des deux lignes tout en haut. C'est-à-dire que je dois au moins avoir un corps là, comme. Sauf que pour aller, je. Ah attends, je crois que j'ai. Non, pas ça. Là. Hop. Et. Parce qu'en fait, il y a cette. Ah non. Il faut chaque fois être bloqué en fait avec ces choses qui glissent. Ça s'arrête que quand on est bloqué. Soit par un mur, soit par un sol. Il n'a pas, le truc gluant. Et du coup, là au bout, il y a ce buisson là. Qui nous empêche de. Ah non, c'est même pas le buisson, c'est juste le corps qui nous empêche d'aller plus loin. Excellent. Là, on a un petit easter egg. Pour ceux qui connaîtraient Towaga, le jeu de Sunnyside. Mais on a fait des easter eggs en fait dans la version Demeter. Et donc, juste là en haut, là, où j'ai mon personnage, il y a un masque de Towaga. Parce qu'en fait, ici, on est dans l'antre de Charon. Et Charon, il a des masques un peu partout, si vous regardez sur les piliers là. Et là, on a mis un masque de Towaga comme petit easter egg. Ça devait être un. Je crois que c'est un easter egg en commun d'ailleurs. Je crois que Towaga a une arme un truc, qui parle vaguement de Perséphone. Mais je suis pas certain. Et Towaga, j'avoue que j'ai pas joué assez longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai pas joué longtemps à Towaga personnellement. Je ne suis pas tombé sur le easter egg de leur côté, mais. En tout cas, c'est censé être un échange. Et d'ailleurs, je vous jouerai bien au jeu de Thomas Olson. Parce que lui, il a fait un easter egg aussi. Je crois que je me suis planté. Il a fait un easter egg de Perséphone. Et en fait, il y a un endroit où son personnage, je vous montrerai une fois le jeu, mais. Son personnage, il est justement dans une prison et tout, un peu glauque avec des morts et tout. Hello Hazard Lara. Bienvenue. Bah, c'est vrai que le chat, en fait, il y a quoi? Il y a 10 minutes pour pouvoir... Dites-moi aussi si genre vous pouvez pas parler directement ou quoi, je change les settings parce qu'en fait, je sais pas... Moi, j'y vais direct, je parle direct, mais...
bienvenue quoi. Mais du coup, le jeu, il s'appelle Olia, et c'est un jeu d'aventure. Et le gars, il est coincé dans une sorte de prison avec des clodos, des prisonniers, je crois qu'il y a des morts. Et en fait, il y a un endroit, il y a justement des pièges où tu dois sauter par-dessus. Et il y en a un des pièges où t'as Perséphone planté dedans, dans des pics. Et tu peux juste marcher dessus, comme un pont, quoi. Et c'était le petit easter egg, et ça nous faisait marrer. Il y a que nous qui savons, quoi, parce que. Mais enfin, maintenant, il y a vous. Mais ouais, c'était bien marré à faire des petits trucs comme ça, là, avec les poteaux. Alors là, j'avoue que je sais ce que je dois faire, mais je sais pas comment. Je crois que je me suis de nouveau planté parce qu'en fait, je dois. Alors. En fait, je dois pas mourir par les lasers, mais mourir. Ouais, ok, donc là, c'est priorité de ça. Là, ça me permet d'aller là. Non ! Ouf ! Ok, ça me permet d'aller là. Du coup, en pierre, normalement, je devrais pouvoir bloquer une partie des lasers. Et du coup, passer de l'autre côté. Je ne veux pas que je bloque ici. Ah, mais par contre, je perds les corps ici, par terre. Mais j'ai le téléporteur, donc ça peut le faire. Tac. J'aime pas trop ce que je suis en train de faire. Non, ça va pas le faire. Ah, j'y étais presque. J'étais avant sur mon mobile et c'est trop compliqué pour discuter et regarder sur PC, c'est plus facile. Ouais, c'est clair. C'est clair, sur mobile ça prend tellement de place. En fait, tu peux chatter mais tu peux pas regarder ce qui se passe. Et inversement. Là j'ai justement. En fait, là j'ai le jeu. Ici en bas j'ai le setup. Et là j'ai juste le double en mobile. Et du coup je vois un petit peu ce que vous voyez. C'est vrai que c'est pas l'endroit où tu regardes. Ou en tout cas tu participes. C'est l'endroit où peut-être tu regardes seulement en bouffant ou quoi des streams. Pas en bouffant des streams donc. Tu regardes des streams en bouffant. Et moi je me concentre pas et c'est super. Du coup je fais n'importe quoi. Mais merde. Donc là on est juste. C'est un jeu, il faut se concentrer malheureusement. C'est pas le meilleur jeu pour chatter non plus. Tac. Donc là je prends ça. Là on est bien. Là tout va bien. Maintenant. Ça c'est juste. Maintenant je vais pousser ça en fait. Ça me bloque direct 2. Et je vais en prendre un deuxième et pousser là et du coup ça bloque tout. Genius. Et je sais pas si c'est comme ça qu'on avait prévu le truc, mais. Ok. Là ça me paraît logique. Là aussi. Je sais plus s'il y a des. Oui, il y a des levels secrets. Aussi dans ce jeu là, mais je sais plus du tout comment on les débloque. Là, il faut que je prenne ça. Attends, voilà. Parce que là, je vais perdre le corps ici. Ah, yes! Mais j'avais pensé à tout. Ou on avait pensé à tout. Mais ce level, je sais que c'est. Je crois que c'est moi qui l'avais fait celui-là. Il y a plein de levels que j'ai pas fait. Ouh, failli faire. Il y a pas mal de levels de Demeter, il me semble que c'est moi qui avais fait, mais. Donc là, il y a des nouveaux. Comment on appelle ça? Déjà des nouveaux décors, là, genre pyramide Inca. Dans la jungle. Avec cette glu qui te fait glisser dans tous les sens. Et ces sortes de gaz de Mako ultra massif. Quand tu t'aimes dedans, tu crèves direct. Yeah. À l'infini, tu vois. Factory de Demeter morte. Mais ça marchera pas comme ça, malheureusement. Donc, ça va. Donc là, je vais avoir besoin d'un corps. Est-ce que je vais avoir besoin d'un corps? Oui. Pourquoi maintenant je sais. J'ai besoin d'un corps pour pouvoir me bloquer en fait contre un mur.
Mais... Oui, voilà. Bloqué contre un mur pour être au bon niveau en fait. Là. Sinon j'aurais été trop loin. Et alors, comment ça va, Hasard? Toujours content que tu sois au rendez-vous. Donc, je sais pas si tu étais là au début du stream. Je parlais un petit peu de la situation Captain Velvet Meteor et des licences et tout ça. Et voilà, là, il y a un secret là. J'ai des petits secrets comme ça. Ouf, ok. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, dans Perséphone, on a des racines et des lasers dans les mondes secrets et on doit ouvrir les portes que les lasers ils défoncent les racines et quand toutes les racines sont défoncées, le niveau est cleané en quelque sorte, c'est-à-dire que la grosse ronce derrière elle disparaît. Donc là, nouveau, c'est le même trip, c'est je peux partir quand je veux, si je veux, mais le but c'est de. Bah, c'est de faire quelque chose qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est, et on va tester. Hey, créer des racines. Pas mal, j'ai participé à une game jam le week-end passé. J'ai entendu que tu as des soucis pour faire la pub de Captain Velvet, c'est bien ça? Ouais! En fait, j'ai pas le droit. En fait, j'ai plus le droit de faire de la pub sans demander. À chaque fois que je veux faire un peu de pub. Non, c'est pas vraiment comme ça. Je peux retweeter mon... Mais en gros, oui, en vrai, je devrais chaque fois demander est-ce que je peux faire tel tweet, est-ce que je peux faire tel machin. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où, oui, ils ont plus de budget à mettre sur ce jeu, ni sur la promotion, et du coup, en fait, c'est mort si on peut plus rien faire. Mais ils ont été un peu sympas, entre guillemets. Et ils ont dit, bah écoute, bah, tes streams, tu peux continuer, mais dis pas de la merde. Des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, ouais, je suis pas mal emmerdé en fait, parce que eux, ils vont rien faire, et moi, je peux rien faire non plus. Autre que. Parce qu'en fait, je suis le développeur. Si c'était si c'était toi, qui te mets en mode stream et qui fait tout le let's play du jeu, en disant tout ce que tu connais, il n'y a aucun problème. Mais en fait, moi, j'ai. Je suis mis sur un statut de développeur qui normalement pour du jeu indé ben, c'est logique que le développeur vous présente son travail. Mais comme je suis le développeur d'une licence, enfin non, je suis le développeur d'un projet qui a une licence, en vrai je devrais. J'y arriverai pas. Sais pas comment passer ce truc. Je suis en fait responsable de l'image des licences. Et donc je suis responsable de l'image des mangaka à qui on a bossé. Et donc à chaque fois que je veux faire une action ou quoi que ce soit, c'est comme si je faisais de la pub. Donc en fait à chaque fois que je fais un stream, c'est comme si j'étais en mode méga officiel Nintendo Direct, quoi. Sauf que personne ne me connaît. Là vous êtes trois je crois sur le chat. Enfin, ouais, le contraste est énorme. Nous on est un petit studio indé, mais en fait, officiellement, parce qu'on a une licence, ben moi je suis considéré comme n'importe quel nom de créateur de jeux vidéo. Il parle de son jeu vidéo, quoi. Je sais pas si vous voyez ces trucs un peu genre ultra. Ultra, comment on dit? Corporate, ultra. Bonjour, je vais vous présenter comment dire? Toutes les features du jeu, etc. Mais quand c'est des Dragon Ball ou comme ça, j'ai l'impression que tu as rarement ça en fait. C'est-à-dire que tu as toujours peut-être le manager ou quelqu'un, mais c'est rarement le créateur du jeu qui vient dire. Les créateurs du jeu, c'est pour les jeux indés, ou alors, comment il s'appelle là, Kojima, des gens comme ça, quoi. Mais. Ou alors pour Mario, enfin pour justement les jeux Nintendo, quoi. T'as le type qui vient présenter son dernier Mario, quoi. Mais... Moi, du coup, je suis un peu dans une situation mi-figue, mi-oignon, là. Mi-figue, mi-champignon. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en gros, je dois passer pour eux pour savoir ce que je peux dire. Mais en fait, si c'était qu'un jeu indé, j'aurais pas besoin, vu que c'est moi qui crée le jeu.
Sauf qu'eux, ils ont pas créé le jeu, donc ils connaissent pas ce que je connais. Ce que je connais. Ce que je connais. Et donc. Ce que je connais du jeu. Mais par contre, moi je connais pas ce qu'ils connaissent de... des licences forcément. Et donc j'ai pas le droit de dire de la M quoi. Ce qui est logique d'un côté, hein, mais c'est très très frustrant parce que bah, moi j'ai envie de parler de mon jeu. Limite, on enlève les licences alors. C'est bon quoi. Si c'est des licences qui font qu'on peut pas parler du jeu, c'est. Mais du coup, je bosserai plus pour des licences sauf si on me file vraiment un budget de malade. Et là, je ferme ma gueule, je mets plus autant de cœur dans le jeu. Enfin, si, je mets autant d'expérience, autant de temps, etc. Mais je mets pas de mon histoire ou de ma personnalité dedans, plus que ça. Je pense que ça marcherait, mais là, ça va un peu saouler. Bon, les gars, j'ai un problème. Là, j'ai fait 3 racines, je dois faire celle d'en haut. Je dois poser un corps mort ici. Ce qui veut dire que pour pouvoir le poser là, il faudrait que je puisse venir de gauche ou à droite. Une idée que je suis en train d'avoir là depuis tout à l'heure, c'est vu que j'arrive à mettre un corps ici sur... J'arrive à ouvrir ici. Je pourrais avoir un corps ici et le pousser depuis là, boum, là-dessus. Ah. Le problème, c'est que je sais pas comment faire. Ah. Pas comme ça. Ou bien mourir justement sur celle-là, là-haut. Et le pousser au milieu. Attends, oui. En fait, oui, parce que... En fait, juste là derrière, là... Ah, mais oui, c'est ça. Merci. En fait, j'avais ce petit espace là derrière, je le... Ouh, toi, tu me fais pas de bêtises. Je le voyais comme un truc pour poser le corps derrière, mais en fait, il fallait que je pousse depuis là. Excellent. Et là, en fait, ça fait l'inverse. Voilà. Donc là, par rapport à... Les graines et les branches... Par rapport à Perséphone, dans Perséphone, on les butait ces trucs et t'avais les ronces qui disparaissaient. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, je suis en train, en fait, Déméter, elle est en train de foutre le Dawa dans les enfers. Et en fait, on comprendra que c'est pas ce que je veux faire. On comprendra que Perséphone, en fait, tout ce qu'elle essaie de détruire, c'est ce que sa mère fait, mais elle ne sait pas. Et forcément fin dramatique. Alors attends. Là il faut que je pousse ça. Ah. Faudrait que je puisse le pousser là-bas. Quoi. Là-dessus. Moi je peux aller où je veux, donc est-ce que c'est. Merde, c'était nul. En fait il est difficile ce Déméter là. Ah bah voilà, ok. C'est caisse en fait, je sais pas à quoi elle sert. Ah bah voilà, je sais à quoi elle sert. Je sais maintenant pourquoi il y a 2 caisses. Non ! Ah j'ai encore une chance. Et du coup dans la game jam, t'as entendu ça par qui ? Par qui ? Par des collègues j'imagine, mais... Je sais pas à quel point en fait les gens, vu que je suis à l'autre bout du monde et que je suis pas très... Ouais, j'arrive, je suis pas forcément dans les groupes, ben je fais pas des game jam à distance, souvent c'est des questions de temps plutôt. De les meet-up, ben voilà, je peux pas être là, etc. Je sais pas qui c'est quoi à propos de nous, moi j'ai l'impression que personne nous connaît en fait. Bon, vous deux, ou deux noms vite fait, parce qu'ils nous ont vus dans le journal ou à quelque part, mais je me demande quel genre d'image on a en fait. c'est très personnel. Une question, mais là, attends. Là il faudrait que je bloque. Okay. No. Là. Donc là comme ça, si je pousse cette caisse dans l'eau, elle va aller jusque là-bas, mais elle me sert à quoi cette caisse? Là je reviens là et je me. Il ne comprend pas. Vas-y, tac, hop, tac, tac, ça servit à rien du tout. Ouh.
Non, ça sert à quelque chose, attendez. Tac. Non, non, non. Ah non, mais ça sert à rien, non. Parce que je suis bloqué, là. Ah merde, il n'y a plus de batterie sur mon portable, attendez. Ah, putain, pis. Tant pis, je ne check plus officiellement sur, sur mon portable, donc si mon téléphone, donc s'il y a des problèmes, dites-moi, de son par exemple, surtout de son. Ma kryptonite. Ben là, j'ai l'impression que j'étais assez juste avec la mort là. Là, ça y est, j'ai l'impression qu'il faut bloquer ça. Ensuite, le truc de pousser la caisse là. Moi, ce que j'aimerais faire en fait, c'est mettre Déméter en mode pierre. C'est pas son nom donc. Sur la caisse en fait. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je vais mourir ici en fait. Ah non, il faut que je commence. Je vais commencer par mourir ici. Pas là, non. Donc là, on est en mode difficile avec Déméter. Hein. Juste que vous sachiez, c'est pas que je suis mauvais aussi un peu, mais surtout que c'est difficile. Donc là, je bloque ici. Donc la caisse, elle va s'arrêter là. Tac. Je la pousse. Comme ça, j'ai le temps. Enfin, ce que je peux faire, je reviens là. Et là, ce que je vais faire. Là, il faut que je meure encore une fois. Et pas là. Il faut que je meure encore une fois pour enlever le corps. J'ai essayé d'expliquer ce que j'essaie de faire, mais en gros, je veux mourir là. Voilà, pour que ça fasse ça. Je me suicide là. Voilà. Tac. Eh, si c'est pas digne ça. C'était beau ou c'était pas beau? Ouais, ok. Je suis assez fier. Et je sais pas si c'est la bonne solution en fait. Je crois qu'il y a plusieurs solutions sur ce level. C'est prise de tête. Et je sais aussi que c'est pas les meilleurs trucs à streamer. Je m'en excuse, mais on a que deux jeux à montrer. Enfin trois jeux, bientôt quatre, mais. Les prototypes, je les considère un peu moins comme. C'est des jeux, mais c'est pas. Je peux pas faire toute la. Ah. Je m'attendais pas à ça. Ok. Ok. Très bien. Mais mourrez tous, y'a pas de problème. Toutes. Il faut quelqu'un là. Petit coup. Attends. Je vais mourir rien. Voilà. Là comme ça je me fais plus défoncer. C'est là je crois. Ça c'est bon, tu peux te parer. Tac. Mais non, elle est pas restée. L'enfer. Frustration. Mais non. Excusez-moi. Ça, on est d'accord, on doit. Sinon, on n'a pas de mots. Utilisable. On meurt trois fois, comme ça. Il y a au moins un corps utilisable. Ça doit pas être le dernier. Je vais poser un pont là. Et je vais être là. Et ensuite, je vais mourir là. Mais non. Arrêtez! Je vois pas d'autre moyen de faire. Pour ta réponse au sujet de votre visibilité, c'est vrai que si je m'étais pas intéressé à la SGA à l'époque, je suis pas sûr que j'aurais entendu parler de votre équipe. Je suis pas un joueur de Nintendo, je connais les gros titres, mais c'est tout. La visibilité en Suisse n'est pas suffisante pour un secteur d'activisme bien majeur. Quoi de Nintendo? Je suis pas un joueur de Nintendo. Parce que nous on fait que des jeux Nintendo. C'est ça que tu dis? C'est que nos jeux ne valent rien sur PC?
vulgaire. Bah, c'est vrai que celui-là, il fait un petit peu jeune, jeune Nintendo. Mais c'est un compliment, hein. Et voilà. C'est vrai que c'est... Ah non, là, j'ai fait un truc de merde. Non, ça, c'était nul. J'ai fait tout ça pour rien. Non, mais il est sorti quand même avant. Et Persephone, je les connais pas. Ah ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont sortis assez vite sur Switch, en fait, ouais. Et on a fait les portages. En fait, les deux devaient être des jeux mobiles. Un l'a été pendant une certaine période. Toute une histoire avec ça aussi, parce qu'il nous a un peu sauvé la mise. Sauf qu'on a dû vendre notre un peu notre âme au diable. Donc... que Persephone puisse puisse avoir sa version les autres versions en fait, parce qu'on a dû vendre en fait la version on a dû, c'était quand même un choix, mais c'était un choix qui nous a fait un peu mal. On a vendu en fait la version mobile avec normalement un contrat comme quoi ils allaient pas foutre le dans des microtransactions ou quoi dedans et le laisser en premium et surtout laisser le nom dessus, etc. Et en fait ils ont pas du tout fait ça, mais grâce à l'argent qu'on a pu mettre un peu de côté avec Persephone Mobile, on a pu faire vraiment des versions physiques, parce que nous notre but c'était vraiment de faire des versions physiques, non des versions console, parce que notre but c'était vraiment de faire des jeux console quoi. Et d'ailleurs le prochain sera vraiment bien plus PC on va dire que Persephone. Persephone ça se joue super bien là sur PC. Je suis sur PC du coup, ça se joue bien. C'est vrai que les jeux de puzzle t'aimes bien genre le faire dans ton pieu ou sur les toilettes quoi, et du coup ça marche mieux sur une Switch ou sur un mobile. Après Captain je trouve ça marche quand même bien sur c'est quand même... mais bon après c'est ouais les tacticals et tout ça, ça se joue bien un peu partout, j'ai l'impression tellement que la visibilité est bon. Bon, moi j'aimerais bien ouvrir là et aller de ce côté, sauf que pour poser un corps ici là, il faut que je fasse tout un ramdam. Ah mais il y a l'autre corps là-bas, faut pas que je meure, non. J'ai oublié. Je crois que je l'ai fait. Ok, donc là on a de nouveau les zombies. Oh, je crois que ce level je le déteste. Je crois que je le déteste ce level. C'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. C'est pas que je le déteste, je crois que j'arrive pas à le passer en fait. Attends. Vous m'excusez, ça va être long là. Je préviens déjà. Là, je crois que je suis mort. Voilà, on doit foutre le zombie mort là. Tac, on doit faire ça une fois. Un zombie mort, c'est un pléonasme. Je crois. Hein. Là, il bouge là. C'est dégoûtant. Et cette caisse. Attends, parce que est-ce que cette caisse, je dois l'amener jusque là? Ou est-ce que c'est un piège? Mais pourquoi je devrais faire ça? Je comprends pas. Mystérieux. Bravo. Merci. Je sais plus pourquoi tu me dis bravo. J'ai perdu le... Parce que j'ai réussi à mettre les deux corps dedans. Ah non, parce que j'ai passé le level d'avant. Celui-là... vous réfléchissez avec moi? Regarde. Alors. Ce téléporteur en haut amène ici. Ah, pour le level d'avant, ouais. Merci. Ouais, c'est chaud, en fait. Ça devient de plus en plus chaud. Je crois que là, on va devoir faire une session par, par épisode. Il y en a 4. Et avant, au début, Persephone, là, je pouvais me taper deux épisodes, entre guillemets, je dis épisode parce que c'est la Captain Velvet, mais deux chapitres, session, non pas session, chapitre. Mais là, ouais,
Je sais pas ce que je dois faire. Apparemment, elle se fait pas buter par. Oh. Elle se fait pas buter par ça. Est-ce qu'elle pourrait me. Je crois que le but en fait de ce truc là, c'est qu'il m'empêche de mourir. Je crois que je vais commencer. Là, c'est tordu, mec. C'est tordu. Je vais la bloquer ici pour pouvoir la voir au même niveau que moi. Quand on passe ensemble, elle me protège. Mais c'est bien beau tout ça. Elle m'a protégé. Mais c'est pas parce qu'elle me protège que je peux ensuite aller. Pardon. Que je puisse. Ah bah ouais, non, j'ai un corps, du coup je refais ça. Tac, tac, je me mets au même niveau. Par contre, j'ai aucune idée à quoi elle sert la caisse du coup. C'est rare d'avoir des puzzle games où il y a quelque chose qui sert à rien. Parce que normalement, les caisses là. Voilà. Donc, ça c'est fait. Hein? Est-ce qu'on doit faire la même chose? Ça c'est Guillaume qui a fait. Je crois que c'est Guillaume qui avait fait ce level. Et souvent, Guillaume il faisait des trucs tordus. C'est un compliment, hein, bien entendu. Mais pour un puzzle game, des trucs tordus, c'est probablement ce que tous les joueurs veulent. Attends. Là, mon but, ce serait d'avoir. Ah non, mais je peux plus passer là maintenant, du coup. Attends, tu vas me dire que je dois avoir deux. Oh non, ça me stresse. Ok, je me demande si c'est ça. Donc, je dois avoir un zombie là. Me remettre en zombie. Faire en sorte de pouvoir venir avec elle là. Pour déplacer les deux zombies en même temps. Je fais là. Tac, 1, 2. Du coup, là. Ah ouais, mais je crois que c'est ça en fait. Du coup, là, on se met au même niveau. Là, il me protège. Il passe. Oh non! Sauf que la nana que j'ai maintenant là, elle est en mode zombie. Donc, si elle meurt, elle va bouger. Moi, je veux pas qu'elle bouge. Je veux qu'elle se bloque sur ses. Ou alors qu'elle. Que les trucs me tuent pas. Ça me tangue. Ça me tangue. Ok, est-ce que je l'ai là? Sauf que ça me sert à rien parce que. Et la caisse, c'est là que la caisse vient, c'est ça? Ouh, il va falloir qu'on parle avec Guillaume là. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en gros il faut que j'amène d'abord la caisse. Je fasse un pont là avec ça. Pour pouvoir déplacer la caisse. Ouf, petit bug. Ensuite la caisse, il faut pas qu'elle se fasse défoncer par. Ça va être possible ça. En gros il faut que le zombie la pousse. Et puis là. Ça. Oh non! C'est foutu. Oh, de conne. Ouais, c'est tordu. C'est hyper compliqué, c'est clair. Et je crois pas qu'on soit au milieu, genre du. Je crois qu'on est plus ou moins au milieu du chapitre, donc il y a encore de quoi faire. Bah vas-y! Tu peux plus pousser. Oh non, et toi. Mais. Ah oui, je pouvais plus pousser parce que ma... Oh, parce qu'elle était bloquée contre le mur. Ok, attends. En gros, il faut qu'elle soit plus de ce côté-là. Il y a plus de marge de déplacement. Plus encore. Mais... Ah non, mais si je fais plus, je tombe dans l'eau, moi. Je vais par en bas. Et non mais je vais tomber dans l'eau quand je vais vouloir me positionner là, ça va pas. Où est-ce que...
Bon, si vraiment, là je pense que ce sera la seule fois où je mettrai peut-être la soluce là, parce que c'est violent. Je suis pas sûr en fait, en plus que j'ai besoin de la caisse, parce qu'avant j'ai été avec un autre. Je vais essayer autrement en fait, plutôt que d'aller avec la caisse, je vais essayer de poser un corps en fait. Me tuer pas là, me tuer pas là, je recommence, juste. C'est plus facile. Mais ouais, ce level. Et je crois qu'il y en a des. Je sais pas s'il y en a des plus compliqués, mais. Ouais, en fait, il y en a certains qui sont vraiment assez complexes. Genre le boss caché de Cerber. Il est charmé. J'ai fait une bêtise là? Non, pas encore. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est. Le truc qu'on avait fait avant, c'est ça, donc du coup, parfait, là, tac, c'est tout noir, c'est la pourriture, donc là on a trois corps, c'était nul, c'est pas grave, donc le but c'est d'avoir, ah, je regardais pas, là. Mais non, tu me saoules. Ouais. Ça va rien changer. En fait. Mais ce qu'il faut que je regarde surtout, c'est que je puisse faire. Ça, sans qu'elle tombe dans l'eau. Non. Bon, on va regarder la soluce. Tac tac tac, voilà. Boum. Prends la caisse. Ah, les téléporteurs. Mais j'avais oublié ça. Tac. Et là, donc, il fait le truc de justement avoir les quatre corps qui. Mais ça c'est. Mais tu rigoles. C'est quoi ce merdier? Ouais, tu te fous de ma gueule, attends. Tout ça pour te placer en face. Oh, à ton tour. À ton tour. C'était simple. Mais c'est ça en fait, nos solutions. C'est qu'en gros, on te montre les trucs qui sont faisables. Typiquement, j'avais complètement zappé le fait que en mettant une caisse sur le téléporteur, tu la téléportes dans l'autre sens. Pas. Tout petit travail de mémoire, oui. C'est comme de se rappeler de l'entier du nombre pi. Mais il y a des gens qui le font. Hein, c'est pas... Mais par contre, tu vois, là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a appris quelque chose. On peut prendre ça. Voilà, qu'on a appris. On peut prendre ça et que le but maintenant. D'amener cette caisse là-bas sans la détruire. Et pour ce faire, il faut que ce zombie-là me protège. Est-ce qu'il faut qu'il me protège moi? Ou est-ce qu'il faut qu'il protège la caisse? Moi, hein. Priorité à la vie. Hein. Tac. Je trouve jusque-là. Et je me demande même si je peux pas faire ça. Comme ça, au moins je l'ai là. Et je vais crever. On recommence. Donc là, maintenant, j'ai la porte ouverte. Le petit travail de mémoire. Ah, il y a un très compliqué, voyons. Il y a des gens, à part ça, qui jouent des jeux de puzzle, mais qui sont. C'est des. Je sais pas comment ils font. Hein. Ils sont doués, hein. Alors, tac, là je suis protégé derrière. Maintenant je dois faire un zigzag avec celle-là. Pour l'amener là-haut et me retrouver
demande. Eh, eh. Oh là là. Ah ouais, bon, ok, c'était le dernier level. C'est pour ça que c'était compliqué. Oh mon dieu. Yeah. On va s'en faire un deuxième hein, quand même. On va essayer d'en faire deux, allez. Passer le désert quand même. Mon dieu. Ah, j'ai transpiré là un peu. Ah. Bon. Le désert. Ouais, en fait, c'était trop simple. Ça, c'est ce que tu dis à la fin, à chaque fois que t'as fini le truc. C'est... En fait, c'était trop simple. C'était juste ça. Mais c'est ça les puzzle games, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'il faut comprendre les patterns, les trucs, par exemple, j'ai un level que j'aime bien sur celui de la glace en fait, c'est, je crois le troisième de Persephone, où en fait, t'es en train de suivre la glace, pousser des trucs sur la glace, et en fait, il faut juste sortir de la glace et les prendre dans l'autre sens, enfin, plutôt que les prendre dans le sens que le jeu te montre, tu traverses la route quoi en fait, et ça change tout, et c'est juste, comment tu dis, si out of the box. Ok, donc là on a un nouveau trap. Regardez. Ce truc là il tourne. Donc en fait c'est un laser. Mais qui tourne et chaque tour il tire à un autre endroit. C'est un peu la. Faut juste être clair de savoir où il va tirer dans le prochain tour. C'est assez simple en vrai. Voilà, il nous apprend, on apprend la mécanique. Easy. Je sens que je l'ai déjà flippé là. Ok, celui-là il fait. Voilà. Ok, il tourne dans l'autre sens. Ah non. Ah, il a une pattern bizarre. Ok, non, ils ont des patterns bizarres. Alors attends. 1, une fois en haut. Une fois à droite. 2, 1, 2, en bas. Ok, il a une pattern. Juste que je fasse attention qu'il me tire pas dessus en fait. J'irai là, mais en même temps, s'il y a ce truc là, est-ce que je devrais aller là en fait. Ok. Non, là c'est mort. Tac, là il revient là. Je suis safe pour un petit bout. Et voilà. Ça va, il était. Ouais. Pas le mieux, hein. Oh. Oh. Comment je suis censé mourir? Ah non, je suis pas censé mourir. Je suis censé pousser ça. Ah, ah il m'apprend juste que. Ok, ouais. En gros là on m'apprend juste qu'il y a. À partir de maintenant il y aura des mots. Oh non mais je suis nul en fait. J'aime bien la musique dessus. Qu'à partir de maintenant. Non je fais quoi? Allez. Tu fais quoi mec? En fait c'est pas facile. On m'apprend que sous les trucs qui se pètent, en fait, il n'y a pas seulement des trous, il y a aussi de l'eau, de la lave, enfin, différentes mécaniques. Mais là, je suis un peu bloqué parce que dès que je passe dessus, le truc se pète et en même temps, je suis obligé de pousser la caisse depuis là. Et là, ça me paraît ok. En fait, je vais montrer pourquoi j'ai arrêté en avance. Ah non, non, je vais faire ça. Puis-je faire ça? Je crois pas. Ah voilà. Là, il y a un autre easter egg. Donc, ce crâne là, c'est justement l'easter egg du jeu dont j'ai parlé qui s'appelle Oli. Ça s'écrit Olija en fait. O-L-I-J-A. C'est Thomas qui a fait les sound effects de ce jeu là et la musique et les sons sound effects de Captain Velvet. Et moi j'ai bossé un petit peu sur l'IA en faisant justement j'ai aidé un petit peu sur quelques décors et du coup maintenant je bosse avec lui sur un autre sur son prochain jeu.
en tant que pixel art, artiste, enfin pixel artiste sur tout ce qui est background et puis ouais, tout ce qui est background, tout l'univers background pixel art. Et du coup ça, son crâne là, c'est le crâne qu'il a dans son jeu précédent Olia, où justement il y avait lui, il a mis Perséphone dead dans une des prisons. C'était bien marrant. Et il y en a normalement encore deux, je crois, ou un en tout cas de Easter Egg. Je suis plus sûr. Mais il y avait deux trois jeux avec qui on s'est dit viens, on s'amuse. Ok, là j'aime pas trop en fait, j'aime pas trop comment on parle ici parce que. Je vais faire ça. Et je sais pas ce qu'il y a dessous. Il y a tout. Okay. Là je vais devoir mourir encore une fois. Je peux pas mourir avec la pierre parce que voilà ce qui se passe. Voilà. Super. Faut que je garde cette dernière. Ah mais non. Faut que je garde le maximum de. Mais je prends le temps. Passer de l'autre côté. Si utiliser ça, c'est assez précieux en fait là, c'est sol. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a un peu de rouge là sous ces. À chaque fois que je passe dessous, il y a de la lave. Donc là, c'est, je peux pas mettre de. Foutu. Je vais me laisser mourir quand même parce que. Pour montrer que c'est foutu. Parce que je peux pas le pousser là-dessus. Voilà. Mourir juste après avoir poussé une boîte sur un sol brisé. Eh ben, dis donc. Nos achievements, je me rappelais plus qu'ils étaient autant précis. C'est compliqué, hein. J'ai peut-être une idée. Tac, tac. Là, je suis mort, donc pas de problème. Là, je suis mort, donc pas de problème. Hein, mourir, c'est pas grave. Voilà. Bien. C'est stressant, mais on est bien. Petit jeu de l'amour, tout va bien. Oh non, encore ça. Alors, attends. Tac, 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 tac. Lui, il fait quoi là? Ah, je ne comprends, Oh, le stress. C'est du tour par tour, donc à chaque fois que je bouge, ça bouge, mais c'est le stress. Ouais, alors Olia, c'est superbe. Et donc le pixel art, voilà, lui, il avait fait tout lui-même, quasiment. Il vient pas forcément du côté artistique à la base, c'est à la base un musicien, sound designer et surtout game designer. Et donc il a fait deux jeux avant, il y avait Olia et Backslash. On l'appelle Backslash. Et ouais, la folie en fait de Olia que je trouve assez incroyable, c'est qu'en fait le jeu, comme ça, il est pas, enfin c'est pas dans les tops des pixel art, il est pas moche hein, du tout, il est vraiment beau, mais ouais, il y a moyen de faire plus, mais comme il a un tel sens, on dit sens, sensibilité, un tel sens des sons et des petits détails de vie qui se passent, genre je sais pas si tu fais plusieurs fois et tu peux à un moment, je crois, genre souffler dans un corps pour appeler le type qui te balade en bateau. Ouais, il faut y jouer vraiment, je crois pas qu'il est cher, il est sur Switch, il est partout. En fait, si tu l'appelles trop de fois, en fait, il s'énerve et il t'envoie un caillou dans la gueule. En fait, il y a des petits détails comme ça que si tu fais plusieurs fois les mêmes choses, les réactions des personnages changent. Et surtout, le son, en fait, il est assez réaliste. Donc, en fait, même si visuellement, il y a une sorte de... On peut s'éloigner un petit peu de l'attachement, on va dire, qu'on peut avoir au personnage. Le son en fait aide énormément. Je suis coincé là. Je suis en train de faire de la merde. Je vois pas ce que je peux faire de mieux là. En plus, là, il va me tirer dessus ce truc. À chaque fois il se tourne. C'est pas du bon sens.
Peut-être c'est pas par là que je dois passer. On faisait ce genre de piège très très rigolo. Où en fait, on te met un pont, mais en fait c'est pas par là que je dois passer. C'est bon, ça. Est-ce que je dois aller par là? Oh! Ah, peut-être que je dois mourir en fait. Parce que c'est un jeu où on meurt. J'avais peut-être un peu oublié ça. Eh ben. Eh ben. Bravo. Bravo Rinaldo. Super. C'est toujours chiant. Vas-y. Ah. C'est fini. Je l'ai fait. Dégage. Ok, ça c'est le tunnel de l'enfer. C'est le cas de le dire d'ailleurs parce que on est en enfer. Enfin, on est en train de descendre. Qu'est-ce que tu me fais faire? Je, que me fais-tu faire? Non. C'est pas ça que je voulais. Et du coup, tu rigoles, je peux pas prendre ce truc et tout ça. Mais c'est des allers-retours. Pas mourir. Là, je l'ai fait. Ok. On commence là. On prend ça. On revient là. Où est-ce qu'on doit le mettre, ce caillou? Là devant. Ou pas. Le mettre où ce caillou? Ce caillou? Pas là? En tout cas pas? Là? Yes? Ah non, c'est quoi ça? Eh, mais. Ouais, la fin elle est là-bas! Ah, oh, punaise! Attends, là y a un truc secret. Allons faire un petit truc secret. Vous avez procédé comment pour faire les level design plein de schémas sur feuilles avec des étapes par exemple ou autre? Alors, je crois qu'on avait chacun notre technique. Donc ça c'est un truc aussi qu'on a fait, c'est qu'on s'est partagé la tâche des levels. Et dès qu'il y avait des idées de level, on les mettait en place. Un truc qu'il y avait, c'est que je sais qu'on avait la question des schémas, donc forcément. Mais pour ce genre de niveau, moi j'aimais bien par exemple partir d'un concept en me disant ah j'aimerais trop par exemple juste avant là j'aimerais trop un tunnel de ces tourelles où en fait tu dois faire des allers-retours en avant en arrière pour être toujours dans le bon timing et puis ressortir ensuite. Moi c'est pas mal sur l'émotion, c'est à dire en gros t'as un moment stressant et là t'as le moment checkpoint et là ok j'ai fait jusque là, ouhou, on peut souffler même si c'est du tour par tour. Je crois que Guillaume, je sais pas comment il fonctionne parce que vraiment ces levels et c'est toujours des levels super hard. Et du coup, on les mettait en général ces levels, on les mettait à la fin des... Donc, je sais pas comment il réfléchit. Et je crois que Cédric, lui, c'était plutôt sur feuille, vraiment, il avait des idées de gimmick. Et ensuite, ben, on complexifiait le truc. Ou alors, simplifier, pas simplifier, mais genre rendait le décor. Parce que le décor est super important aussi, la lisibilité. Si la lisibilité est trop bonne ou trop mauvaise, ça peut aussi changer pas mal la difficulté en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, c'est aussi de bien regarder, quoi. Et donc, on avait chacun notre système. Mais moi, c'était pas mal de concepts et de tests directs, en fait. C'est-à-dire que je faisais mon level dans l'éditeur qu'on avait créé. Et ensuite, je testais. Ensuite, j'étais ah non, mais attends, si je fais un mouvement de trop, en fait, j'arrive toujours à mourir. Enfin, je meurs toujours. Donc, j'enlève une case et puis j'en mets une autre après. Comme ça, je sais que je suis dans le timing ou comme ça. Donc moi je suis pas mal, les levels que je faisais c'est pas mal des premiers levels et les middle et quelques levels un peu particuliers on va dire, un peu conceptuels. Cédric il faisait pas mal de bons levels qu'on pouvait mettre un peu partout, enfin qui pouvaient être plus ou moins compliqués. Et Guillaume c'était en général des levels très, très complexes où tu dois te prendre la tête.
Il me semble, après c'est de souvenir hein, que j'ai ça. Ok, ça c'est pas ce que je voulais faire. C'est aussi l'avantage de bosser à plusieurs en fait, c'est que chacun amène un peu sa... Ouais, sa manière de penser. Du coup, alors là, pourquoi j'ai un zombie là? Pourquoi elle veut me servir elle? Ah non. Désolé! Je voulais pas te lancer du haut du mur! C'est pas grave! Bon. Parce que là, au fond, là, il y a une... On est d'accord, il y a une trappe, un truc. Je sais pas quoi, ça. On va ouvrir ça. Très bien. Du coup, je pense que je dois laisser... La zombite. La zombie, là-bas dessus. Pouvoir ensuite à faire ce que je vais te faire. Tu fais comment là? Et ben voilà, voilà, comme ça il y en a une là. Celle qui est là, elle me paraît assez simple hein. Voilà. Et donc la dernière, elle me paraît pas du tout simple parce que je vois pas en fait comment on peut aller sans se faire défoncer. Sauf, avec... Sauf si les zombies ils peuvent aussi faire le truc de la graine là. Je suis pas certain. Ça c'est une certaine logique. Mais maintenant que j'ai un cadavre là, je sais pas si ça... Tac. Ben non. C'est cool. Ah, est-ce que je devrais me protéger derrière le... Encore un truc de protection derrière le zombie là. Dude. Je souffre. Silencieusement. Ah non, maintenant je suis un zombie, du coup ça va pas marcher. Pas chier. Ah non, puis il y a le corps. Ok, je crois que je l'ai, mais là je suis bloqué. On va commencer par celui-là, ça c'est plus simple. Donc on va en haut ou on va en bas là hmm. Ensuite. Toi tu tires ton truc là. Ding, ding. Dang, dang. Ding. Vas-y. Là si je vais là, je meurs après. Moi je peux pas mourir. Je vais pas mourir, c'est pas. C'est pas gentil de mourir. Comment je peux faire là? Parce qu'à chaque fois que je bouge d'une case, de toute façon je suis. Bon allez, allons faire le zombie plutôt. Ça je la connais là. Tac tac tac. La connais-je. Parce que je suis déjà en train de faire des bêtises. Et intransigeant. Deux. Boom. Ok. Et là, comme je suis déphasé du truc. Boom. Parce qu'en fait, il y a une question de rythme aussi. Il aurait fallu un easter egg où tu sautes dans le vide. Où tu sautes dans le vide et quoi? Et tu easter egg. Et t'as un parachute? Un easter egg. Un easter egg Fortnite. Ouais, tu sautes dans le vide et ensuite il y a un mini-jeu en fait de parachute, un truc du genre. Ah ouais! Alors, en fait, on y a pensé. Le problème, c'est que. C'est qu'il faut bien réussir à montrer un peu aux joueurs. Ouais, plutôt un level caché quoi, genre ouais. Il faut bien montrer aux joueurs que là il y a quelque chose de spécial. Et nous, ce qu'on a fait comme petit message, c'est que. À chaque fois que t'as un level secret. À l'endroit où tu vas avoir un level secret, il y a le même cube, ce genre de cube là qui ont
double carré à l'intérieur, de la même taille, qui est toujours posé au même endroit. Et en fait, si tu regardes dans les levels, c'est deux moyens. Après, je te montrerai en fait le menu. Mais dans le menu, tu es censé voir. Tu es censé voir en fait où se trouve le level secret. Ah non. Yes. Tu as parlé en fait, Zed. Je vais mettre ça, vu que je dois le refaire celui-là de toute façon. En fait, dans le menu, voilà. Tu as une ligne là. Et en fait, sur la ligne, tu as le level secret. Donc là, c'est celle qu'elle vient de faire. Et je sais plus lequel level c'était. Et donc, tu sais que dans cette ligne là de level, tu dois chercher. Et là, maintenant, elle est en bleu. Mais si tu regardes en haut, il y a un cube qui est luminescent là. Bah, ce cube là avant il n'est pas luminescent. Et quand tu trouves, quand tu finis, je crois, le. Je sais plus si tu finis ou si tu le trouves. Je crois que je suis foutu. Et bah il s'illumine pour te. Je crois que c'est quand tu le trouves. Pour te dire, bah voilà, le level secret que tu as trouvé, il est là. Mais c'était assez cool à faire à part ça, le fait de se dire déjà que t'as des levels secrets dans ton premier jeu. Moi c'était. C'était assez un win-win. Non, pas win-win, c'était assez un win. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que j'ai pas compris? Là, c'est bien. Merci. Checkpoint. Je passe en clé. J'ai passé dans l'eau là. Ok, c'est fait pour. Je deviens dur hein, le jeu. Cela, je dois aller rechercher. Ah non! Mais suis-je bête? Vous n'avez pas vu qu'en fait tu peux choper le. Tu peux choper l'altar depuis de l'autre côté? Et du coup, deuxième pont. Non. Non. Et maintenant, il faut vraiment que je fasse attention au timing de chaque truc. Parce qu'il y a les premières. En fait, les premières tourelles qui me tiraient dessus au début, elles me tirent dessus aussi sur la dernière partie. Bah là, du coup, il y a un rappel, les trucs de feu, les différents altars, ils sont là. Ok, alors là, maintenant, il faut que je fasse attention. À quoi me sert... Je suis en train de faire quelque chose... Plutôt, je suis certain que c'est pas la bonne solution. Il faut que j'entre là-bas, non? Il faut que j'en ressorte. Mais il est impossible ce level. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ça je me rappelle. Mais du coup, je me rappelle pas. C'était quoi mon triple? Voilà. Ouais, ok. En fait, il faut découvrir en mourant quelques fois. En fait, où sont les choses que tu vas faire? Donc là, je crois que je dois faire un pont de moi-même. Un pont de ma chair. Pour ensuite pousser ça là, et du coup je meurs. Du coup c'est nul. Du coup je vais pas faire un pont de toute ma chair. Ça c'est juste aussi.
juste aussi. On va s'arrêter là, je vais pas faire le premier. J'en ai pas besoin. Ensuite je viens là. Et maintenant je suis foutu. Parce que je suis quand même obligé de faire ça. Ah non, c'est bon. Parce qu'en fait quand tu tombes dans l'eau et que ton corps disparaît, il compte quand même comme un corps. Comme un cadavre. Et du coup t'as le droit qu'à 3 cadavres. Donc t'as un cadavre qui part directement et qui est grillé. Enfin qui est grillé. Est-ce que je viens de faire une bêtise? Est-ce que je viens de faire une grosse bêtise? Ah non. Yes. Mais on était des tarés hein. Et on a tout fait manuellement. Donc pour répondre à ta question d'avant de comment on a fait, le truc qui est important de savoir, c'est qu'on a fait tous les levels à la main. Parce que des fois t'as un système en fait qui te permet de faire des, je sais pas, des levels semi-random où tu, il va te faire caquer celui-là, où tu l'ordinateur en fait prépare plein de levels, tu les testes et où il les teste même lui-même et ensuite il dit bah voilà, sur les 1200 levels que j'ai créé, il y en a 120 qui sont possibles et après l'humain il sélectionne quoi. Mais pour le nôtre pas du tout fait ça. On est plutôt fiers. Mais non, mais que fais-tu? Oui. Oh. Je vois. La mort. Réfléchir ou pas, je crois que je commence à fatiguer là. Ça m'a grillé quelques neurones, j'avoue. Et là, ça ne sert à rien. Et les gars, on est à quel level là? Je commence à fatiguer. Attends. Donc en gros on peut partir du principe que tout là dessous c'est des piles. Ok. Donc le but c'est de faire des ponts. Ici là il y a. Lui là il vient jamais. Donc en fait je pourrais très bien passer par là derrière. Ce serait même pas du tout un danger. C'est comme ça la caisse, tac. Je la pousse jusqu'ici, je la pousse là derrière. Ça me paraît beaucoup plus malin que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Non! Me casse pas! Me casse pas! Me casse pas les couilles! Vas-y, Déméter! Peut le faire. Toi, tu tires à chaque fois en fait. C'est pas cool. Je ne t'aime. Point. Du tout. Non mais on va y arriver hein. Peut-être pas tout de suite mais on va y arriver. La caisse elle est bien placée là maintenant, c'est juste une question de. C'est une question de cadavre. Juste. Voilà. Et maintenant il faut. Vu qu'il est très fragile là ma caisse. Et... Là je commence à fatiguer, je crois que après cette... après le désert là je vais arrêter. Hein. Là, mon cerveau il pige pas ce qui est en train de se passer. Alors on a ici du feu en haut, de la pierre en bas. Le feu il sert à brûler le truc qui est en haut à gauche. La pierre probablement à se mettre dans l'eau
en bas à droite. Ensuite, on a une trappe là, un truc activé en haut à droite. Et on a deux sols craquelés qui probablement, vu que j'en ai deux, il y en a un que je dois prendre pour l'aller et un que je dois prendre pour le retour. C'est ce que j'imaginais du coup, comme je suis là, et eh bien je suis dans la M parce que je fais des bêtises. C'est par là que je dois passer. Non, tombe pas. Ok, donc là, c'est bien. On prend ça. Oula, je suis passé entre les... J'avais pas vu qu'il y avait des lasers dans tous les autres. Je suis passé entre les lasers là. Voilà, ça s'est placé. C'était peut-être placé trop tôt d'ailleurs. Je sais pas. Comment je fais maintenant pour revenir? Ah non! Faut pas le placer là. Ah. En gros, il y a de l'eau, ça veut dire qu'en gros, les corps en pierre, faut pas que je les place sur la fin déjà, pas encore. Voilà. Là j'ai un pont. Je suis en feu. Je vais faire tirer dessus quand j'ai ça. Le truc c'est que je dois regarder toutes les tourelles en même temps, voir si elles vont faire une... S'il faut me tirer dessus. Non. Stop. Arrêtez. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ah ouais, c'est ardu. Hein. On rigole un peu, on regarde la salut. Vas-y, t'as le droit de choisir, J'essaye encore. Mais si t'as envie de voir le truc très simple, de manière de faire la salut. Là, je pense que c'est je passe du coup. Donc je fais pas de sondage, mais là le sondage c'est est-ce que je pèse Y pour avoir la solution. Oui, non, peut-être. Pourtant j'ai l'impression que c'est assez obvious, c'est genre évite les lasers. Ça fait j'ai mal. La moindre erreur à cette... Ça j'ai l'impression que c'est juste. Jusque là tout va bien. Parce qu'en général il y a une... Il y a vraiment une... est-ce qu'on l'avait enregistré manuellement? Attends. Oh là là. Non, les solutions, je crois que c'était l'ordi, quoi. C'était justement le système de... On avait fait un système pour réussir à trouver le plus court chemin, un truc du genre. Et vu que j'ai causé, je me rappelle même plus que ce que c'était, quoi. C'est pas ça. Je crois qu'en fait, le truc, il fait ça. Il va chercher ça direct. Tac. Cette carte de là. Là il fait un truc bizarre. C'était pas ça. Non. Mais je crois... Ouais. Mais je sais plus, je crois pas qu'on avait fait manuellement parce qu'en fait il y avait vraiment des... On a testé, donc on devait tester tous les levels manuellement pour qu'ils soient faisables. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire un level qui soit genre... C'est quoi, je vais me concentrer un peu, arrêter de parler. Et on reparle après.
calcul. Ah putain, j'oublie, il y a toujours un truc que j'oublie. Je suis désolé, je jure. Je suis pas comme ça, non. Ok, là c'est bien. Non, faut pas que je me passe. Cette case là, c'est la case de l'enfer. Faut pas que je me place sur cette case qui est entre les deux lasers. C'est exactement là que je me fais défoncer. Et je peux pas en sortir en fait. Je continue à causer parce qu'en fait je crois que j'arrive mieux à me concentrer. Je... Mais pourquoi tu fais ça, petit con? Je l'ai. Yes. Il n'y a pas de sauvegarde. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je meurs, je vais devoir refaire ça. Donc là, il y avait le truc avec la pierre. Ça s'est fermé de côté là. J'ai besoin du truc de pierre moi. Il fallait faire un truc de pierre en avance. T'es sérieux? C'est qu'il est con qu'on crée ce jeu là. C'est qu'il est sadomaso là qu'on crée ce jeu là. Vas-y dégage. Ok. C'est bon, je suis pas totalement perdu. Ce que je vais faire, c'est crever là, reposer mon corps sur la table, ne pas mourir. Mais quoi? Et après quoi? Après le laser qui me tire dessus. J'ai chaud là, hein. Il fait plus 27 degrés, là il fait 30, 35 000. C'est compliqué, hein. En même temps, on est sur le endgame. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment les derniers. Enfin, c'est le difficile, quoi. Ouais, c'est reparti pour une blague. Ah, en Suisse, je crois que c'était une blague. Ouais, j'ai entendu. Et j'ai entendu, genre, qu'il y avait même de la neige ou quoi. Enfin, un truc du genre. Fou, quoi. Enfin, fou. Suisse, quoi. Putain. Nous, on a eu de la... Alors, on a eu de la neige, genre, le... Le 21 mars, un truc du genre. Une date complètement... incongrue. Là aussi. Mais là, maintenant, de la neige, quand même, c'est quoi. C'est vas-y Dieu, quoi, quand même. Pas la merde. Là, en gros... Attends, est-ce qu'on peut positionner ça là, où je vais nourrir. Ah, mais il y a un truc de pierre aussi. Ok, alors. J'avais positionné le truc de pierre. Genre. Est-ce que la pierre, ça reste? Tu la neige en avril, ça fait mal quand même, quoi. Moi, je compte revenir en Suisse, en fait, un jour. Bon, là, on prévoit 2026 pour l'instant, mais je sais pas encore exactement quand ça va se faire.
Et mais j'avoue que ce genre de choses là, c'est, comme on dit, ça me refroidit. De vrai. Parce que j'aime beaucoup la Suisse, mais alors pas du tout froid. Quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, nous on a été. Oh non, oh mais non, vas-y quoi. J'étais bien là. Aujourd'hui, nous on a été au lac. Mes gamins ils sont foutus dans le lac quoi, slip et tout. Et en fait, oui, c'était froid, mais c'était pas genre méga froid, c'était genre. C'était le froid des lacs qu'on a en Suisse quand il fait 35 degrés quoi. Ici vraiment, c'est un peu la. Enfin, c'est le lac à côté, mais c'est un peu comme si on allait à la mer quoi. Et c'est vrai que revenir ensuite à. Ouais, c'est cool. Là moi parfois quand je l'année passée quand je travaillais j'en pouvais plus là, sur la production de Captain Velvet. J'allais je prenais mon ordi, un livre, un truc de quoi oh mais non, de quoi dessiner. Et en fait je me foutais au bord du lac tout seul et toutes les demi-heures j'allais me baigner vite fait, je revenais. C'est un peu solitaire quoi, mais c'était vraiment une place quoi. Ça, la nourriture pas chère, bonne. La plupart du temps, par exemple, j'ai pris un peu de poids, mais parce que la nourriture est bonne. Et ouais, c'est quand même une autre manière de vivre. Quoi. Et le temps, bah, il aide quand même à cette manière de vivre, je trouve. Je suis dans la région de Kansai, donc où il y a Osaka, Kyoto, Nara, Shiga, et moi j'habite à Shiga, qui est à côté du lac Biwa, ou Biwako. Et c'est vraiment pas loin de Kyoto en fait. Je suis sur une ligne de train en fait qui me permet d'aller sur la même ligne, ça me permet d'aller au fin fond de Shiga déjà, ça me permet d'aller à Kyoto, à Osaka, à Kobe, et tout ça sur une seule ligne donc. Par contre quand s'il y a des retards sur la ligne bah ça repart vu que je bosse la plupart du temps chez moi là. Donc on est d'accord que ce level c'est un peu l'enfer. Super là. Je me demande si juste un corps ça suffirait pas. Parce que le corps ça brûle, non? On va faire Y aussi là. Ah mais il n'y a même pas besoin de foutre un deuxième corps là. Chercher ça, quatrième. Pas la prise de tête tout va bien. Donc ça, jusque là j'avais juste hein, ça c'est bon. Et là en fait le truc c'est qu'on va direct. On se pose pas de questions. On va pousser ce truc. Et s'il se fait un peu taper dessus, c'est pas grave. Par contre moi si je tombe dans la flotte là, c'est plus grave. Voilà, et là je vais laisser là. Se faire tirer dessus. Qu'il soit explosé. Ouais, Shiga c'est une... Oh non, j'aurais pas dû parler. Shiga c'est vraiment une belle région. Et c'est très... Il y a ce côté un peu underground qu'on a à Osaka. Et en même temps, il y a ce côté quand même assez...
folie et sympa de Kyoto. Il y a un mélange en fait un peu entre Kyoto et Osaka, je crois. Et j'apprécie pas mal. Vous savez quoi, je crois que j'ai un peu plus là que celui-là. Allez, pédé. En fait, je joue aussi avec la molette là. Mais pas la molette, le stick. Et du coup, je fais des miss judgment, enfin, des miss movement. Je crois que je pourrais pas être streamer pendant l'été. Il y a des streamers, ils jouent pendant 8 heures en causant avec toute la commu. Je sais pas si j'arriverai. Voilà, je suis sur le bon chemin. Paf. Que je vais tomber pile au moment où il va me tirer dessus, mais non, on va pas s'arrêter là, ou bien on s'arrête pas là. Mais ouais, je peux comprendre maintenant des streamers qui pètent des câbles et la joie qu'ils ont quand ils arrêtent, parce qu'en fait c'est leur boulot de faire en sorte que les gens qui voient le stream les voient et réussir. Ou se planter complètement, mais au moins finir le stream, tu vois. Ça, c'est pas ce que je devais faire. Mais du coup, je compatis. Ça doit être un peu chiant de faire ce que je viens de faire, par exemple. Et de devoir dire, ah, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai pas réussi. Parce que je suis fatigué. Mais là, c'est une question d'amour propre en fait. Plus que autre chose, c'est mon jeu quoi. Hein? Jusque là, maintenant j'ai pigé. Mais faut pas que je fasse des. Je vais jouer avec le pad, plutôt pas avec le pad, avec le. Comment on appelle ça? La. Truc directionnel. Ça, je me plante pas de direction. Donc là on est bien. Et je crois que c'est le dernier. J'espère que c'est le dernier, mais je crois que c'est le dernier de ce chapitre. Ça me fait bien plaisir. Mais il est bien quand même ce jeu. Enfin, vraiment je l'aime beaucoup. Quoi d'attendre. Alors attends. 1, 2, 3, 4. Donc là 1. Il faut que je compte en fait. 1. Si je fais un mouvement. Là il est en bas. Donc si je fais un mouvement là, c'est droite, en haut, si je suis là, il va tirer là. Je viens là, il tire en bas, je viens là, il tire à droite, je viens en bas, il tire en haut, ça c'est de bref. Attends, je dis quoi? Je viens là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Yes! Merci! Ouais, c'est un très bon puzzle game, ouais. Parce qu'en plus, je suis sûr que même pour les gens qui ont regardé, à part si vous regardez de nouveau le let's play, puis que vous refaites exactement la même chose, en fait, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est-à-dire que c'est pas... c'est pas genre t'as vu la solution et du coup, tu peux la faire en 2 secondes. Il y a quand même de la complexité, quoi. Mais je suis content! On a réussi à faire... 2 des plus compliqués là sur 4. Donc les 2 prochains vont être encore plus compliqués. Peut-être qu'on fera une par probablement une la semaine prochaine. Quoique, attendez, la semaine prochaine je vais pas pouvoir faire de live dimanche parce que c'est le Golden Week et qu'on aura congé, donc je serai pas là. J'essaierai de voir du coup si j'arrive à faire ça à la place à un autre jour, peut-être lundi ou alors le samedi soir très tard. Non, pas sûr. Mais c'est possible que la semaine prochaine saute et que du coup ça soit la semaine d'après. Et je continuerai du coup avec Demeter avec cette musique incroyable depuis cet épisode là. Donc voilà. Ouais, long week-end de congé. Super. Ben bon week-end du coup, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de discuter en même temps que je joue, même si ce genre de jeu commence à me.
J'arrive pas à avoir deux cerveaux en même temps. Mais ça m'aide beaucoup. Et du coup, invitez vos potes. Venez en groupe. Venez en masse. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aimerais bien aussi refaire des... avoir de nouveau quelqu'un de la team. Faire peut-être des jeux ensemble. Peut-être même d'autres jeux, mais ça, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, en général, c'est vraiment le dimanche soir. J'ai 1-2 heures. Et ça aidera pour le futur, je pense. Donc, voilà. À plus.